aucun dégât, ça n'a pas de sens. Le paras de purificateur est purifié. Good job. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le Grow Light. Pour savoir sa nature. Pour savoir si on enlève le 6 heures pile. On peut lire. Pour modifier la tension, utilisez le levier. Attention, risque de surtension. Augmenter ou baisser la tension. Selon vous, est-ce qu'on augmente la pression ou on descend la pression? Pas la pression, la tension plus. Est-ce qu'on augmente la tension? Si on met plus de tension, ça devrait péter logiquement. Mais si on la descend, ça peut péter aussi parce qu'il va juste plus avoir de tension, donc ça va plus passer. Mais si on l'augmente, ça devrait faire tout exploser. Mais si on la descend, ça devrait tout arrêter. Voyez avec BC. MadBob utilise le levier pour baisser la tension de l'unité de commande. Rien ne se passe. Utilise le levier pour augmenter la tension de l'unité de commande. Tu sais, la descente, ça aurait juste arrêté le truc. Mais là, ça veut dire qu'en l'augmentant, on a juste tout fait péter. Fait qu'au final, ça revient quand même à la même chose. Why not? L'unité de commande est détraquée. Oh oh. Ouh! Grow Light est disponible maintenant. 6 heures pile va sacrer son camp. Oh oh. Oh oh. Ça ressemble à un bonhomme, les deux yeux. On dirait genre deux yeux avec une bouche. Oh oh. Je suis pas là. Pas moi. J'ai rien fait. Qu'est-ce qui se passe? La chaîne s'est arrêtée, l'ordinateur central ne répond plus. Salut. Hé, hey, t'es le gosse du Libra, tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Non, j'ai rien fait, monsieur. Peu importe, le logiciel de production des Pokémon obscurs a été effacé. Donosaur va être furieux, il va me passer un de ses savons. J'aime tellement cette expression, me passer un savon. Ok, c'est parti pour y péter la gueule. Il y a un serpent, il y a un tail vraiment laid, un cacturne. Cacturne, c'est quand même plus intéressant. Dark. Fait que ça, c'est un peu de la merde, mais on a sac à sucre, on peut le tuer. Un tail, on devrait peut-être le tuer. Ok. On est en business. On est quand même un bon duo pour partir directement au combat. Soyons fous. J'espère qu'on tue un tail, mais je pense que un tail a beaucoup de special death, mais je suis vraiment pas sûr. Pas beaucoup de special death. Probablement que Garbaz a plus de special death que lui. Probablement. Weezing, je peux tuer ça très facilement avec mes spares. Et là, j'espère que Brick Break ça tue. Si ça tue, on est vraiment en bonne posture. Très bonne posture. En fait, j'ai l'impression que c'est des portes automatiques, c'est le son que font les caméras. J'ai l'impression que c'est portes automatiques, c'est le son. Puis il va vraiment falloir que je porte attention à Mr. Luigi. Ok, le Ursa Ring est tellement plus brun. Maintenant, il est tellement plus brun, genre pâle, tandis que là, il est comme dans le brun chocolat, tandis que l'autre, il est vraiment plus brun, comme orangé. Si vous pensez que je fais encore 2 kills. Weezing, je suis 100% sûr. Par contre, est-ce que je suis plus rapide que le Ursa Ring? Pas trop sûr avec sa cassure. Mais si je joue avant lui, je tue, c'est sûr. Et est-ce qu'on peut capturer un Arba? Oui. Sakasuke et Ursa Ring qui se provoquent, ouais, ils sont comme let's go! Se tape sa gueule! Ok, j'attaque en premier. J'ai une base d'attaque, mais je suis sûr et certain que je suis. Crocolarme. Oh. C'est triste, arrête. Pas stimulant, on va faire psycho pour tuer. En plus des games, mais sinon c'est quasi le même son. Je suis très curieux, mais sur Luigi, je vais vraiment porter attention à la prochaine fois qu'on entend une porte ouvrir. Ursa Ring, je le trouve vraiment plus menaçant dans ce genre de modèle-là qu'il est dans le modèle maintenant. Peut-être pas à ça par contre. J'ai essayé de jouer, mais l'écriture était pas belle. J'ai essayé de jouer, mais l'écriture était pas belle.
L'écriture de quoi? J'essaie de voir. L'écriture. Tu parlais de quoi tantôt? Bonne question. Ah, avec l'éliminateur de l'autre film. Ah, ok. En gros, ça laguait un peu au fur et à mesure, c'est ça? Chute noire. On va attaquer les deux, je te gagne. T'as gâché, je le tue. Non. Ça laguait un peu, l'écriture buguait. Ok. C'est peut-être un problème d'affichage et tout ça, c'est peut-être pas ta carte graphique qui a été mise. C'était peut-être juste ton processeur. Ça aussi, il y a des petits settings qui sont changés par-ci par-là. C'est peut-être pas grand-chose aussi. J'essaierai de te trouver une vidéo qui pourrait peut-être aider Carlo, je t'enverrai ça en privé si jamais tu veux regarder un peu pour changer. Mais moi là, j'ai confiance en mon sentiment. C'était late, mais c'est réussi. Merci Nossi. C'était toi qui suscite l'homme, hein. Je m'attendais tellement pas à ça, en plus qu'il y en a une, parce que je me souviens, dans Pokémon Colosseum, il y en avait, tu sais, des attaques avec du recoil. Mais une attaque qui touche tout le monde, même soi-même, c'est quand même assez spécial, tu sais. C'est comme si tu fais surf, pis ça t'auto-touche, tu sais, ça serait bizarre. Là, on est quand même côté vie des Pokémon, là, c'est... Je sais pas si j'ai bien d'autres combats à faire, mais... Attends, on va mettre, juste pour être sûr, au coque. Super potion sur Sakasu. Super potion sur Mespa. Ils ont vraiment pris une grosse explosion, donc oui, non, mais en restant en vie plutôt. Parce que je sais qu'explosion, ça se fait des... Ça se fait des dégâts. On va pas aller là, finalement. Late, désolé, je suis en train de dormir. Non, il n'y a aucun problème, le signe. Si je le disais à la joke de dire late, c'est juste comme... T'étais pas genre... Toi, tu t'es dit pendant que la Pokéball était lancée, t'as lancé ta commande, ça veut dire que t'étais très confiante que j'allais capturer. Which is... Cool. Ça fait que le Pokémon qui lance ne sait pas nager. Il y en a le pire, certains Pokémon qui peuvent apprendre Surf. Puis que tu te rends compte qu'au final, c'est pas vraiment les meilleurs Pokémon qui pourraient faire Surf. Fait qu'on va aller ici. Pousser ici. Allons ici. Maintenant qu'on a soigné nos Pokémon. J'ai quasiment envie d'aller chercher tout de suite. D'aller chercher. Enlever 6 heures pile. Nah, on est sûrement à la fin. Ça arrive. On va changer par contre notre duo de départ. On va aller avec Jester et Jeff Bezos. Nos petits maillons faibles de notre équipe. Ampharos, je vais le garder dans le... Farajou plutôt, je vais le garder dans le back. Si jamais il y a des Pokémon obscurs pour faire un Thunder Wave toujours bien efficace pour pouvoir capturer des Pokémon. Après, on a quand même nos grandes pointures qui est Sakasuk puis Mesper qu'on est capable de deal avec. Moi, c'est vrai que Pikachu, ça planche de sur. Et ouais. Ah, quand même d'autres Pokémon que c'est un peu spécial, tu sais, exemple, mettons Nidoking ou Nidoqueen qui sont capables de faire surf, c'est un peu bizarre, parce que, tu sais, en même temps, c'est des Pokémon Ground, ils se font toucher par, c'est comme... Toujours un peu bizarre, genre de truc. Bon, let's go! C'est le temps de péter la gueule à... Donnonzor. Ça, Donnonzor? Quand même cool, level design. Character design. Donnonzor. Où ils sont tous? Tu les as tous fait fuir. Impossible, un enfant seul aurait mis hors d'usage tous les Pokémon obscurs qu'on a créés. Ah, tu as saboté mon usine, tu as sali mon nom, tu m'as humilié. Damn. Tu l'auras bien cherché, je suis furieux, tu vas me le faire payer. Prépare-toi à passer un sale quart d'heure. Chilos. Ça va bien aller, doux. Tu fais des flips, en plus tu sautes. Oh ouais! Jeff Bezos versus Jeff Bezos. Tauros de base, j'avoue. Tauros, c'est un peu bizarre. Par contre, on commence vraiment dans une bonne position parce qu'on peut tuer très facilement Galégon et Fogler. Fait que, tu sais, on peut y aller comme ça, puis on est quand même en business. Tu me niaises que tu fasses abri.
Mon Jeff est plus fort que le tien, c'est sûr en même temps. Six! What? Ok! Ok, je comprends la strat maintenant, mais c'est pas une raison de me faire six dans la gueule, s'il vous plaît, merci. On se calme. Cool. Alors fais-le plus, s'il te plaît. Quand même. C'est ça que j'aime par contre de Pokémon Colosseum et Pokémon XD, c'est que les combats d'admin, les combats mettons de même, les stratégies sont vraiment intéressantes. Ariyama aussi peut apprendre ça, what the fuck. Par contre, de mettre ça sur Ariyama, c'est pas très très efficace. Hein. Roygada, Slowking, ok. Nous avons Jeff Bezos contre Jeff Bezos. Maintenant, nous avons Jestered contre Jestered. C'est pas si mal ça. Non, petit chat, tu ne viens pas ici. Bye bye. Il va refaire abri juste pour me faire chier. Ça se pourrait très bien. Le fait que ça soit un double change de la dynamique, c'est cool. Exact. C'est vraiment la dynamique de combat. Sans single, c'est cool au début, mais à un moment donné, c'est quand même cool de changer. Pour jouer d'une autre façon. Hein. Puis le double, je trouve que ça donne une... Brother, tu es une gang. T'es vraiment en train de jouer un fucking Slowking avec fucking Earthquake? T'es fucking sérieux, dude, de jouer un fucking Slowking avec fucking Earthquake? Crazy the Cuckoo, salut Wallet en passant. What the fuck is this? Genre, pourquoi? Eh bien, moi, je te laisse, on se revoit au prochain live. Nous partons. Maintenant. Ciao, Ramakota, on se revoit mercredi, fort probablement, pour un prochain stream. Merci d'être passé, super bien apprécié, puis je vais checker ce que tu m'as envoyé sur Discord pour te mettre pour mercredi. La commande personnalisée que t'as pris. Comment ça va, Wallet, en passant? T'arrives exactement au bon moment qu'on voit les combats Pokémon avec Ursa Ring. Et Jester vient de mourir. Chose qui arrive, hein. Par contre, on l'a dit. Mon sac à sucre est meilleur que son sac à miel. Ben, crois-moi que je vais lui péter la gueule. Il est donc bien foncé, oui, mais il est cool de même. Avouez que le Ursa Ring, genre de même, il est vraiment plus nice. Je l'entends déjà dire, crise de jeu de piste de merde dans sa Pokéball. Ouh. Il a dit. Scrapé ma game, Chris. J'étais bien placé. Scrapé ma game. Fucking la merde. Bon, ok, on va jouer intelligemment, ok? Checkez ça, ok? Big brain que je suis. Ursa Ring vient de rentrer sur le terrain, il va faire abri, il va faire protect pour protéger le CS de fucking Slowking. Moi, big brain que je suis. Fucking Jeff Bezos, on fait... Ouais. Ok. Je fais plaquage. Je fais fucking fake out. Il fait protect. Fuck you! T'aura pas d'Earthquake dans ma face. Il en aura pas d'Earthquake. Fuck you all. Je suis fâché. Faites chier. Faites chier. Par contre, je le tue pas. Ça, par contre, ça me fait un peu chier. Peut-être que Jeff Bezos est plus rapide. Fait qu'on peut y aller de même. Puis espérer qu'on tue. Abri se fait avant bluff. Oui, exactement. Protect, c'est un priority avant tout. Du coup, oui, je viens de le voir exactement. Eh oui. Ouh, sheesh, un Primeape. On l'appelle Dudu. Faut que je le capture par contre. Onde Boreal, s'il te plaît, tue. Okay. Ah, puis comme tu dis, Nessie, il a l'air plus cool, il a l'air plus dangereux. Hein. Vraiment, vraiment plus. GG easy, vraiment. Oh my. Oh, tu m'envoies un hypno. J'ai tellement pas envie de le capturer. J'ai juste envie de faire fuck you, hypno. Juste comme. J'ai même pas envie. Pédo, excuse, hypno. Not the same. Almost, but not the same.
Ok, là ça me fait chier un peu comment je suis placé, parce que je suis dans une position très inconfortable. Pas parce qu'il y a Epino qui est dans le match là, que je me sens inconfortable, là, mais j'essaie de catcher ce que je pourrais faire. Je pense que Jeff Bezos a fait sa job. Putain utile. Ok. Je risque de mourir avant que je fasse mon attaque de toute façon. On va faire Brick Break. Sur Primate. Check ça, les dégâts de Jeff Bezos fait des calls ici. Ok. 40 kicks de dégâts, c'est quand même assez. Quand même assez mal. Et Typhon Noir. Est-ce que c'est une espèce de Whirlpool? Fire Spin? Je me tuer, c'est chill, I guess, finalement. Tu l'avais bien écrit la première fois. Un hypnomade violent, ça donne quoi? Une frappe avec sa pendule. Directement. Ah, on en va faire ajout. C'est peut-être un move un peu fou ce que je viens de faire parce que si Primate me tape, je suis un peu dans la merde. Je vois les dégâts par contre, ce que ça va faire. On le met dans un range, je suis essayé paralysé, on est quand même assez chill. Fait que, paralysé. Soyons fous. J'ai confiance. Avec le Rick qui arrive de Super Monopoly. T'arrives exactement au bon moment que... Check ça, ok? Checkez ça les Raiders, est-ce que vous êtes prêts? Sur Pokémon XD, quand on dit j'ai confiance en ma capture, on fait une capture. Checkez ça. Tu peux te décrire en attendant Super Monopoly, qu'est-ce que tu faisais dans ton stream? Je me souviens de toi, t'étais là quand on était sur Jack 3. Ça, je me souviens là-dessus. Je l'ai dit. Quand je dis j'ai confiance, hein, on fait une capture. Donc, un petit shout-out à Super Monopoly. Donc, tu peux te présenter, en passant, Super Monopoly. Je sais qu'on s'avait déjà vu à un moment donné. Moi, je me présente très rapidement de mon côté. Comme vous pouvez voir, on joue à Pokémon XD. Streamer qui joue à des jeux Pokémon, qui joue à des jeux de Sonic, Mario, Ratchet & Clank. Un peu de tout et un peu de n'importe quoi. On s'amuse bien, mais surtout, partage une passion des jeux vidéo et je pense que vous aimez bien ça. Donc, c'est ça qui se passe ici. Exactement du Diablo. Damn, that's cool. Super Monopoly, il jouait pas à Monopoly, je pitch ma table. Paulette. Le gars, il s'appelle Monopoly, il joue même pas à Monopoly. Que de déception. Tasse tout de suite tes chaises. Tassez toutes! Qu'est-ce qui se passait? Bien content du raid, bienvenue à vous tous. On est en train de battre un leader en ce moment dans Pokémon XD, donc ça se passe quand même assez bien jusqu'à maintenant. Là, je dis, j'ai pas confiance en cette capture. Je vous dis, c'est arrangé avec le gars des vues. C'est tout le temps pareil. Hein. Pas mal, pareil. Ça fait mal, ça aussi. Salut le stream, je suis dans le raid de Monopoly. Nice! Zander? 17, Zander. Je peux t'appeler Zander? Et bienvenue à toi aussi. Bonjour, plaisant les gens qui viennent avec le raid et tout ça, qui se présentent un petit peu. Puis prenez le temps d'être ici sur le raid. Moi, je dis pas tout de suite comme, ok, vite, cliquez sur le bouton follow et tout ça. Prenez votre temps. Prenez le temps de voir la vibe et tout ça. Moi, c'est tout le temps la chose la plus importante. Mais si, t'as confiance? Attends. Ne si elle avait confiance. La confiance, ça ne dérougit jamais, hein. Ouais, tu peux pas te signer. Good, y'a pas de problème. Ben de rien, trop cool, toujours les jeux que tu fais. Nice, mais merci Super Monopoly, c'est bien apprécié. C'est mon fun, moi, de mon côté, pis c'est pas contre toi, parce que Diablo vient juste de sortir, t'es peut-être un méga fan de Diablo, mais moi j'aime bien aller vers des jeux que ça fait longtemps que les gens ont pas connus. Qui c'est tout le temps bien plaisant. Y'a certains jeux que je fais vraiment à la sortie, je donne exemple Sonic Frontier, je l'ai fait à la sortie parce que je suis un grand fan de Sonic. Mais moi j'aime ça comme aller vers des plus vieux jeux, des jeux de mon adolescence, ma jeunesse, même des jeux aussi que je connais pas, comme Metroid que j'ai jamais Sonic fait. Sonic 2006 c'est un de mes jeux préférés. Ta gueule, ouais là.
Aïe, ça. J'ai jamais. Ah, tu vas me le payer, tu vas regretter, je vais faire exploser l'usine et toi avec. Oh, what the fuck? Pourquoi tu ferais ça? What the fuck, dude? Assez. Acceptez-le. Accepte la défaite plutôt. Maître Falafide. Oh, oh, oh. Comment on se retrouve? Tu te souviens de moi? Exactement. La musique, ça ressemblait à une musique de Pokémon. Je sais qu'on est dans un. Je sais qu'on est dans un jeu Pokémon, mais ça ressemblait à un jeu Pokémon que j'ai déjà joué. Team Rocket, hein, ça? Merci Super Monopoly pour avoir pris un abonnement niveau 1. Maintenant, tu as des super belles émotes que tu peux utiliser de ton côté. Merci bien, très apprécié. Très très cool. Et on est rendu à 3 sur 5 pour l'abonnement. En gros, c'est pour ouvrir des paquets de booster Pokémon. J'ai reçu la nouvelle extension tantôt. On en ouvre 6 à la fin du stream. Et c'est sûr et certain qu'après, quand on atteint le gold, donc si jamais on arrive à 5 sur 5, on va en ouvrir un de plus. Parce qu'on ouvre tout le temps de plus. Tu n'as pas joué à Zelda Tears of the Kingdom à sa sortie intolérable. J'ai joué de mon côté, par contre, Mr. Luigi. Fort, hein. Album joué à Pokémon, la musique a l'air d'une musique de Pokémon. Smart move. Je continue l'histoire, je vous lis juste après. Exactement, je suis Monsieur Crésus. Merci Zender du follow, très apprécié aussi. Avec cette musique très chill. Ou plutôt devrais-je dire Malafide, le grand maître du groupe Ombre. Ben oui, bien entendu, hein. Quand on voit un petit vieux chauve, c'est sûr et certain que c'est un méchant. Je dois dire que tu m'étonnes, je n'aurais jamais imaginé que tu détruirais notre usine. Mais ce n'est pas bien grave, même si la production en masse de Pokémon Obscur est arrêtée, cela n'affecte en rien notre plan. Nous avons déjà mis au point XD001, LA blague la plus drôle. Il est avec moi. XD001? Le Pokémon Obscur impossible à purifier? Maintenant, nous devons activer XD001, cela ne va pas tarder. Tu penses sincèrement pouvoir m'arrêter? Je dois aller au QG Ombre. Il est sur l'île Ténébra, au large de Port-à-Marie. C'est une forteresse impénétrable, des vagues cruelles et d'épais nuages, la coupe du monde. Rejoins-moi si tu l'oses, j'en serai ravi. Oh, 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 oh. Le One Man Show est déjà prévu. Maître Malafide a un drôle de sens de l'humour. Parce qu'il y a dit XD. C'était pas drôle. La mer est trop agitée, les bateaux ne peuvent pas approcher, même si tu arrivais jusqu'à l'île. Elle grouille de dresseurs qui se battent avec les Pokémon obscurs que j'ai créés. Il devrait y avoir beaucoup plus de Pokémon obscurs si XD001 n'avait pas fait tomber ce bateau dans le désert, on aurait mis moins de temps à créer les Pokémon obscurs. Ouais, ouais, mais c'est pas si grave, il y aura bien assez de Pokémon obscurs pour t'accueillir. Combien y en a, si je te disais? Il y en a beaucoup. Bientôt le monde sera à nous, prépare-toi. Ciao. Bye bye. La musique de Pokémon dans un jeu Pokémon incroyable. C'est une liste de Pokémon obscurs produits. Oh, télécharge la liste sur le Pokémon Assistant Digital. Oh, est-ce qu'on peut voir la... Tu es en train de dire que je peux voir tous les Pokémon en obscur. Delcati qu'on a tué, on se souvient. On se souvient aussi de Roselia qu'on a ça par contre jamais vu. On l'a-tu vu? Le Rookups. Je te salue, toi qui as mangé un coup critique. Quel chanceux. Magneton qui s'est fait tuer par un Brick Break. Rattatak et Cocotte Ténéfix. Dodrio, Canartichot, Altaria, Kangourex, Branette. Ça sonne très mal. Magma, Scaraburut, Scaraburut, Heracross. Ok. Volcaropod. Hein? Galopop plate, Signon plate, Kikli plate, Excellent plate. Scyther, Levenant, Chansey, Solarux, Staros, Celeritec, Nereldel, Ronflex, Tartan, Mr. Mime, Tropica, Elixprin, Dracor. Dracor. Salamèche par contre. Il y a un Articodin, Tauros, Dracolos, Togepi. Il y a un Articodin, ok, Sulfura, puis Elector, c'est les deux Zapdos. Okay. C'est tout ce que tu peux pouvoir attraper exactement. Fait que tu peux voir que, genre, il y en a une coupe là, qui reste. Alors, il y en a pas mal. Il y en a pas mal à attraper. Oui, Diablo, un gros jeu coup de cœur. Je comprends mieux, Super Monopoly. Aucun problème pour ça. L'abonnement, un moment que je voulais le claquer, donc c'était l'occasion. Mais c'est très, très, très gentil. Hein. J'apprécie vraiment beaucoup. Tu sais, j'en parle très rarement de sub et tout ça, que c'est comme, ok, subé à la chaîne ou des affaires de même, j'en parle très rarement. Je trouve ça tellement bien quand les gens font juste, paf, se spoil, ça spoil les Pokémon légendaires. On les a pas vus, on les a pas lus.
Mais sur ce, je vais vous laisser les travail demain, de nuit, Madbom, de nuit, le stream. Ciao, ciao, Super Monopoly, très très bien apprécié. Et juste avant aussi, les gens qui sont arrivés avec le stream, si jamais vous voulez rejoindre le Discord, point d'exclamation Discord, parce qu'en gros, c'est là que j'envoie mon horaire assez souvent. Je dis assez souvent, j'envoie tout le temps mon horaire. Oh, allez, je sais. T'as dit de s'abonner, je m'abonne. Elle Merci. Était longue, The Quart 2. Elle était longue. Est-ce que ça dit vraiment « Elle était longue »?« Elle était 11 », ça sonnait tellement comme « Elle était longue ». J'aime bien. En parlant de « Elite League », c'est exactement ce que j'allais dire. « Talk about timing », j'ai cherché une liaiserie à dire en plus. « That's what she said, elle était longue ».